bien ton gonflage, tu regardes loin devant toi, et c'est quand tu veux. C'est bon déco. Tu peux t'installer, t'as le droit maintenant. On fera des petits allers-retours devant sur la falaise, là, ça tient, se tenuote un peu. On tient un petit peu d'aile au frein, hein, léger, et tout va bien. Ah, tu vois, ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Toujours en contact avec les commandes, pas trop de frein, mais un petit peu. Bien, tu choisis. Voilà, on lève pas les mains, tu vois. Tu as relevé un petit peu tôt les mains. C'est pas grave, hein, ça va rentrer, tu vois. Vous pouvez garder un contact. Prends ton axe de vol, ton cap. Ça va bouger un peu par là parce qu'on est sous le vent de la falaise. Voilà. Toujours en regardant ta cible. Ouais. Je te laisse faire, hein, tant que c'est pas dangereux, c'est pas forcément comme ça que j'aurais fait, mais on débriefera derrière. Mais fais-toi confiance, et tant que je dis rien, tant que je donne pas d'ordre, c'est que ce que tu fais, c'est encore correct. Regarde toujours ta cible, hein. Voilà, allez, fais-moi demi-tour à gauche, je vais reprendre. Allez, encore à gauche, encore. Top, tout droit, attends, top, reviens à droite. Allez, regarde à droite, doucement, encore à droite, je t'ai pas dit d'arrêter, allez, encore. Top, on regarde à gauche, attends, et top, tu reviens à gauche vers la cible. Voilà, tout droit comme ça, regarde loin, regarde, oublie la cible, regarde loin maintenant. Regarde, ou relève la tête, voilà. Et à fond. Voilà, tu as toujours le regard qui descend en fait. Lilian, on va se rapprocher du point de rendez-vous là pour bientôt rentrer, mais c'est pas mal. C'est tout bon jusqu'à ton premier S. T'attends d'être au milieu du terrain pour faire ton demi-tour. Et milieu du terrain, bah, tu peux faire. T'as pas assez de place pour faire des véritables 8. Donc tu t'avances sur ton terrain. Utilise toute la largeur de disponible et t'es nickel. Que ce qu'on utilise d'habitude, mais c'est bien, c'est la hauteur, elle est bonne là. Tu vas essayer de maintenir 45 degrés, tu sais comment on fait avec la cible, et c'est toi qui choisiras quand tu rentreras en étape de base. Alors, contrairement à Michael, éloigne-toi un peu, là, t'es juste à côté du terrain, tu peux pas... C'est trop près du terrain, là, pour avoir une idée de la hauteur. Voilà. Tu es en visuel ? Pas encore. Enfin, j'ai pas regardé. Non, mais je l'ai. Ok, deux petites secondes, je pose Lilian et je suis à toi. Voilà, on peut attendre encore un petit peu. Attends encore un peu, t'es haut encore. Allez, maintenant tu vas faire un virage à droite pour te mettre en étape de base, mais il faudra utiliser toute la largeur pour faire un S. Je pense qu'on va devoir doubler l'étape de base. Attends encore. Et là, maintenant, tu fais ton demi-tour. Là, tu vois, t'as toute la largeur. Après, le prochain, on est un peu plus bas, on fera moins large. Allez, boucle bien, t'avances pas sur le terrain. Allez. Ah, c'est dommage, t'es bien placé, puis tu vas trop cool. Non. Allez, encore, là, tu reviens sur tes pas, reviens en arrière, voilà. Parfait, regarde vers ta cible. T'as tout le temps, hein, regarde, là, t'es même pas encore au milieu du terrain, là. Voilà. Là, tu me refais un dernier petit S. Tu vas pas jusqu'à l'autre côté, Romain, reviens après, un peu, hein, vers le latéraux. Voilà, et tu peux t'aligner tout droit, là. Voilà, tu alignes droit vers la cible. Pas qu'il faut mettre les pieds à la fin. Hein. Ah, c'est bien, nickel. Voilà, donc on va maintenant
continue à avancer, on se prépare à venir en étape de base, mais t'as le temps encore. Il garde bien d'altitude en faisant notre altitude pour lui. Attends encore. Allez, on va revenir à droite, mais on devra faire un S, on va survoler la butte, Julie. Romain, j'ai toujours rien à dire, c'est parfait, je te laisse faire. Là, l'idée, c'est que tu montres ce que tu sais faire. Toujours pour Romain, et on finira la perte d'altitude côté entrée vent arrière. On continue comme ça pour Julie, toujours. On attend, on a le temps avant de faire demi-tour. On continue. On continue. Et là, on fait demi-tour à droite. Allez. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Allez, encore à droite, voilà. Toujours en regardant la cible. Voilà, regarde ta cible. Et tu peux rentrer à gauche vers ta cible. Allez. À gauche vers la cible. Voilà. Tout droit comme ça. Merveilleux. Ah, Paul qui est en l'air et qui est en zone de perte d'altitude. Ouais. Deux secondes et je crois. Parfait, Julie. Nickel. Parfait. Ah, parfait. Donc Romain, on s'occupe pas, les déclenchements, c'est, je pense en Pentecôte, je les appellerai, mais je sais pas ce que c'est. Ça bouge un peu, on s'en fout, c'est pas grave. Par contre, j'ai vraiment pas l'impression qu'il soit bien installé, mais c'est pas grave, on va faire celui-là, on verra en bas. Allez, on fait un quart de tour à droite, on va en direction de la butte, en étape de base. On va devoir doubler, je pense, l'étape de base. Ah, tu peux aller derrière toi, Paul, sur la petite butte, là, qui est exposée au soleil. On utilise toute la largeur, donc on est vraiment en fond de terrain, mais on est dans le terrain quand même, Romain. Et donc, on va continuer droit jusqu'à la petite butte qui est en face de toi. C'est quand on survole la petite butte qu'on fera vraiment un demi-tour pour revenir légèrement en arrière. Ça descend un peu, donc on sera pas... Tu peux faire un S et pas un 8. Vas-y, maintenant tu fais ton demi-tour à droite. Allez, on s'avance pas sur le terrain. Parfait. Regarde ta cible, hein, toujours. Hein. C'est un repère, on va pas dessus, mais c'est un repère. Là, ça monte, donc on attend. On revient légèrement à gauche. Attends. Et top demi-tour à gauche, tranquille. Allez, encore. Voilà, tu peux revenir vers la cible en diagonale sur ta gauche. Regarde ta cible. Allez, allez, on va dessus. Vas-y, va dessus. Elle relève les mains. On n'oublie pas qu'on doit poser. On va poser les pieds, je veux dire. Parfait, nickel. Bon, tu vas venir, on va regarder cette sellette. Le reste, c'est pas mal, hein. Ah, du coup, on va finir par un petit... Oh, bah, peut-être même pas, hein, c'est toi qui vois. On reprendra évidemment ça en bas. On en reparle, je veux dire, quand t'es là. Rappelle-toi, si t'es long, tu veux casser la finesse, tu peux la casser un peu au frein. Du moment que tu reprends de la vitesse avant, voilà, avant d'être sur le posé. Ah, bien. Voilà, attention, on se prépare à faire le demi-tour, mais on a le temps encore. Attends encore, allez, top demi-tour à gauche. Voilà, tu t'es pressé d'y aller, hein. J'aime pas ça, hein, quand on a l'impression de perdre le contrôle sur son terrain. On regarde la cible, prochain virage, ce sera un grand demi-tour par la droite. Tu peux passer du côté droite de la rivière, hein. Alors, on évite de se faire verrouiller, voilà, ça descend un peu plus qu'à l'aller. Voilà, parfait. Tu vas viser en diagonale le fond du terrain, comme ça tu seras sur la base. Viens pas trop vite vers ta cible, je viens au fond du terrain. Pas dans l'autre sens, Lilian. Voilà. Regarde ta cible. Allez, demi-tour à droite, gentiment. Un grand demi-tour, hein, on va aller un petit peu au-dessus de la butte. Voilà, et là tu es en étape de base, donc c'est toi qui choisis le moment où tu rentres en finale.
Ouais, bonne initiative, ça me plaît bien. Regarde ta cible. Ouais, Julie, c'est bien. Allez, hop, on fait un grand demi-tour par la droite, là, Julie. T'es dans une zone qui monte. Ouais, c'est très bien, Romain. Ah, tu peux continuer à droite, Julie. Fais un tour complet à droite. Parfait, Romain, nickel, parfait. C'est bien. On en reparle quand t'es là, mais c'est bien ce que t'as fait, là. Alors, regarde, là, tu vois, t'es dans une masse d'air qui descend quand même pas mal, hein. Donc on anticipe, on se prépare à rentrer si jamais on voyait qu'on devait se faire verrouiller du mauvais côté des arbres. Mais ça semble pas être le cas là, donc toi ça... ouais, tu seras bien face au vent quand tu seras en bas. Ah, on est entre les deux, hein. Un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre, on peut dire qu'il y a quasiment pas de vent. On a choisi cette approche là, c'est bien. Maintenant on va jusqu'au bout de celle-là. Et on a eu raison, parce que le vent est dans le bon sens, nickel. Regarde toujours bien ta cible, sans te speeder à venir dessus, hein. C'est mieux déjà, tu utilises toute la largeur, toi, entre le premier et le deuxième, là, ça n'a rien à voir ce que tu fais. C'est tout construit, moi j'ai rien dit pour l'instant, je t'ai juste donné des informations sur le vent et tout, mais j'ai rien dit. Regarde, toujours ta cible. Ah, il va pas te verrouiller contre tes armes non plus, hein. Ouais. Allez, Lilian, on va rentrer, là. J'avais juste dit, on va survoler le mont Rente, là, ça fait deux allers-retours. Tu crois que je dis rien parce que je te vois pas? Non, je dis rien pour voir jusqu'où tu veux aller. Alors, regarde en devant, oublie la cible, regarde en devant. Attends, t'as le temps, éloigne-toi un peu vers la gauche. Voilà, et ah, voilà, nickel. Bien, un tout petit peu long, mais c'est pas grave, on corrigera ça au prochain. Voilà, et l'autre. Non, 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 l'autre élévateur. Et on refait, voilà. Allez, on part à gauche en vent arrière, aux oreilles, sur le grand champ avec la ligne électrique. Encore à gauche. Bien parallèle, voilà. Top, pas plus. T'as vu comme ça descend là, donc on va anticiper cette descente beaucoup plus rapide. Hein. La finesse est vraiment pourrie. Là, tu peux revenir un peu à droite pour aller viser le fond de terrain. Top. Voilà, tout droit comme ça. Tu vois, en fond de terrain, on sera nickel. On aura juste un grand quart de tour à faire à droite pour revenir en finale. Je te le dirai, on lâchera les oreilles et on fera en même temps le freinage final. Ça s'ouvrira en même temps que ça freine. Si tu veux, reviens, commence à revenir légèrement à droite pour te mettre perpendiculaire à l'axe du terrain. Parfait. Parfait, tout droit comme ça. Allez, on commence à revenir à droite encore. Top, pas plus. Attends, toi c'est plus porteur. C'est plus porteur là, attends, attends. Allez, finale. Voilà. Nickel, tout droit comme ça. Attends. Et tu lâcheras en même temps que tu freines. Attends, et le freinage pas plus speed que d'habitude. Attends, ah bah, attends, 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 attends. Attends, 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 attends. À fond, voilà. Alors lâchant un peu plus tôt, t'as vu, il fait une petite ressource. Si tu relâches en même temps que tu freines, vraiment quand tes pieds vont toucher le sol, ça marche très bien aussi. Mais c'est pas grave, hein, c'est bien fait. Je pose Mickaël, je te laisse faire Paul, mais c'est pas mal là, continue à enrouler, de serre un peu à droite Paul. Voilà, ne te verrouille pas derrière les arbres Mickaël, t'es un peu loin là, allez. Là t'as encore la marche pour rentrer toi, mais il suffit que tu perdes 20 mètres, voilà, et là tu te remets parallèle dès que t'es sûr que tu peux rentrer. Mais l'initiative, elle est très bonne, et ton plan de vol, là où t'étais, si tu veux, c'est juste par sécurité qu'on rentre un peu, mais ce que tu faisais, c'était vraiment très bien. Ah, c'est bien, on continue, Paul, hein. T'es dedans, hein. Un petit peu de frein extérieur aussi quand elle se met à tourner, hein. Mais là, c'était plutôt derrière toi, je pense. Et t'as un petit cum qui est juste au-dessus de ta tête qui est en train de se former. Allez, continue à tourner, t'arrêtes pas, Paul. Voilà, continue à tourner, et quand tu sens que ça monte fort, tu relâches un peu le virage. Et quand tu sens que ça monte pas, bah, tu resserres. Mickaël, on utilise toute la largeur, comme tout à l'heure. Et pour l'instant, tu remarqueras que j'ai rien dit, ce qui veut dire que tu es très très bien dans ton placement, hein, Mickaël. Ah,
Alors, on vous dit que c'est par déclic que ça marche, mais là, il y en a eu des déclics, parce que tu t'as fait vraiment une approche super académique. On reste quand même concentré jusqu'en bas. Hein. Voilà, ouais, nickel. Pas loin de la cible, une vraie PTU, c'est vraiment propre. Je pense que t'as vraiment compris ce que t'as fait, c'est vraiment cool ça. Voilà, on a été un peu bougé, on a été un peu dans le thermique. Maintenant on se reconcentre, on reste vraiment concentré sur l'approche. On change de cerveau et on prend celui qui est prévu pour la PTU. Je comprends pas ce que tu fais, Paul. Allez, repars à droite. Ouais, le vent est dans l'autre sens en bas. Allez, continue tout droit comme ça, je reprends. On va se coller aux arbres, sans se mettre dedans évidemment, mais on va se coller aux arbres. On prépare à faire un demi-tour par la gauche. On posera peut-être légèrement en virage, mais voilà, là, t'es en vent arrière un peu bas. Regarde ta cible. Attends, arrête de bouger dans la sellette. Allez, commence à revenir à gauche. Commence à revenir à gauche, vas-y, c'est trop tard là. Allez, encore. Ah, petit joueur, hein, je trouve.